Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est mercredi 10 janvier 2024. Bienvenue dans le journal là. Puis, vous prenez une vague pour nous développer pour aujourd'hui dans le journal ça. Secrétaire général américain Anthony Blinken trouvé l'an jeudi dans Bahreïn après visite li en Israël et en Palestine pendant affrontement continué à fête entre l'armée israélienne et Hamas. Président équatorien Daniel Noboa prend décret pour mobilisation et intervention force l'armée et police nationale là dans façon capable sécuriser tout pays sur tout territoire. Petit garçon Joe Biden, non, Hunter Biden, fait tout le monde saisir, lui-même, il fait apparition dans le Congrès. Dans le pays d'Haïti, gagné une mobilisation continue à faire. Bon côté, dit employé dans la gestion, yon façon capable de libérer docteur lui-même, qui c'est docteur qui c'est Douglas Pape, côté bandit examen, te kidnappé le 21 novembre qui se passe en 2023. C'est tout point ça, yo, avec divers plots, nous va gagner pour nous développer pour aujourd'hui. Dans le journal ça, restez connectés avec nous, yon façon pour bien informer. Yon autre fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal SIDA. Gagné gros mobilisation qui a fait un bon côté Guy Philippe et mouvement révolution lui-même côté que tout le monde a décidé poter coller ensemble avec un ancien chef rebelle là gagné gros déclaration piment bouc déjà qui commençait à faire dans cadre mouvement révolution ça ancien militaire Guy Philippe plan opération fermée tout bureau l'état commencé en dedans gros naïve ensemble avec la Tibonite, y a William Mitton, lui-même qui c'est leader petit leader et plateforme révolutionnaire Haïti, mandé à tout le monde qui trouvait en dedans Gonaïve fermer bureau l'état depuis jeudi, quel que soit n'importe monde qui lui-même n'y a qui a travaillé en dedans l'état, rester la caillou pas déplacé, yon façon pour mobilisation lui-même, li capable commencer nan jou k'ap vini yo situation, li pral difficile, li pral compliqué pour tout le monde qui trouve l'entrée dans le gouvernement Ariel Henry et bon côté. André Michel, il commence à faire gros parler en pile, yon façon pour comment Ariel Henry capable d'ouvrir cadre là, yon façon pour mobilisation ça, lui-même, il capable de camper. De l'autre côté, toujours dans le pays d'Haïti, pendant l'année 2023, gagné environ 1600 policiers qui étaient arrivés, déplacés, aller dans l'autre pays qui quittait. Police nationale d'Haïti a gagné 37 policiers qui étaient arrivés février pour payer sans chapeau. Et pendant l'année 2024, ça a bien bonheur, gagné 5 policiers qui ont perdu la vie. Bagala a commencé difficile pour PNH là. En pile de l'eau commencé dans un géant série de monde et 5 policiers qui perdu la vie. En pile de monde commencé à demander des amis internautes. Est-ce que bagala pa pral pi difficile pour policiers pour depuis bien bonheur comme ça ouais en pile monde commencer à perdre la vie yo nèg exam kidnappé nèg exam dans base 400 Maozo cap dirigé par Lamo Sanjou kidnappé yon 4 pasteurs amis internautes dans début année 2024 là pendant mois de janvier ça qui pour comprendre même 15 janvier nèg exam kidnappé 4 pasteur sa yo et parmi yo quatre gagné zami internaute selon président réseau protestant kap défendre droit moun et bien qui c'est pasteur en destiné Saint-Pierre li rive fait nous connait gagné youn pasteur qui joine libération sans que lui même li pa paye yon goud malgré gros somme l'argent yo té rive mandé et bien trois l'autre moun yo qui trouvé nan main ravisseur yo jusqu'à présent pas gagné nouvelle de trois pasteurs sa yo malgré premier pasteur qui était jeune libération, il n'est pas arrivé à payer yon goud lesko. Employé centre GESCO yo continue à mobiliser, manifester pour exiger libération pasteur pour docteur Douglas Pape, lui-même côté nek examen qui était kidnappé le 21 novembre 2023 qui s'est passé sur route Keskofla dans localité Yorele Bello. Et bien situation ça a metté en pile anti machine en pile si employé en dedans et docteur Douglas lui-même eh bien il décidé que William Pape il décidé pour comment qu'il capable eh bien fermer gestion dans le cas où il pas libéré petite Lia
parce que lui-même, il toujours fait connaître, il est toujours là pour qu'il soit capable de porter assistance à tout le monde qui gagne sida, à tout le monde qui gagne une maladie, il est façon capable d'aider la population haïtienne. Eh bien, si toutefois, petit, il n'y a pas arrivé à jouer une libération, sans geste a fermé, et c'est dans ce sens-là, en pile petit employé, en pile petit machin qui ambassade, qui est habitué à chercher la vie, il est obligé de mettre les cordes pour être capable de manifester dans le cadre pour être capable de libérer Dr. Douglas Papa. De l'autre côté, amis internautes, il y a un canal là. Il y a un canal là qui trouve en dedans wana mettre en pile gros palais commencer à faire pour connait qui est y a capable faire inauguration ça et bien avec plusieurs bouteilles et plusieurs ingénieurs et bien il fait connait que est capable essayer choisir pour est-ce que c'est pas ta premier mai yo a choisi pour capable faire inauguration ça qui c'est une date historique dans pays étranger ou moins n'a capable parler de pays l'autre bodo gain secrétaire général américain Anthony Blinken qui trouvait dans Bahreïn dans moment n'a parlé là aujourd'hui après visite li dans pays Israël et Palestine pendant affrontement guerre Israël ensemble avec Hamas là et bien il déclarer pour comment que moun sa yo qui trouvé en Israël surtout ensemble avec président israélien pour comment qu'il est capable alléger et bien guerre ça si, et même quitter le même parce que il y a trop moun en dedans Gaza qui vivait vrai pour payer son chapeau quand c'était moun qui était mouri de 7 octobre qui se passe pour arriver jeudi à et bien gen en pile moun yo pas capable river compter parce que gen en pile moun qui river mouri zami internaute gen gros inquiétude dans pays Équateur dans pays Équateur président équatorien Daniel Noboa il prend décision pour que capable gagner mobilisation et intervention force l'armée ensemble avec la police nationale pour capable et eh bien sécuriser tout territoire équatorien gagner un gros gang qui relé Adolphe Fito lui-même côté que la police nationale d'Haïti te mette là on côté pour qu'elle capable réfléchir qui c'est tête yon la mais gang qui gagne yon latrier garçon la donne puisque 800 hommes et nèg sa aux amis internautes Fito qui rive joindre et côté pour qu'elle capable sauver et après qu'elle même li quitté prison ça gagne président Noboa li déclarer quel que soit n'importe côté qui au jeune plus capable poser la patte sous lui et poser la patte sous l'autre gang qui rive chapper pour lui dans moment ça yo obligé créer moyen pour capable mettre coucou rouge derrière tout bandit qui a bay problème et surtout Adolphe Fito. De l'autre côté, amis internautes, gagné président Joe Biden non, Hunter Biden, lui-même il fait tout monde saisi pendant tout monde pas penser si toutefois il t'a fait apparition là dans congrès pendant tout monde a pensé a réfléchi a regarder comment que va faire notre travail qui a fait là et bien Joe Biden non, li débarqué côté qu'il fait tout moun sisi. Zami internautes, c'est tout point sa yon nou te rive développer pour aujourd'hui dans journal ça. C'était un plaisir de te connecter avec nous et moun qui t'a présenté au journal aujourd'hui. C'était Zami yon, Jerry Cheristal. Entre temps, n'a quitté ensemble avec la Voix de l'Amérique pour plus de détails. Pour le présenter yon programme dans langue créole haïtienne, moi c'est Jacques Lambelizer, quelques nan grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé dans Bahreïn après visite li en Israël et en Palestine pendant affrontement yo entre l'armée israélienne et Hamas a continué. En Équateur, gros crise sécurité, président Daniel Noboa prend décret pour mobilisation et intervention forces armées et police nationale là sur tout territoire national là. Ici aux États-Unis, petit garçon président Joe Biden, Hunter Biden, fait tout le monde saisir les li paraît sans attendre dans le Congrès jodi a. Et puis en Haïti, nous va gagner une mise à jour sous construction canal là dans Wanamet. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans yon petit moment. Actualité a mené nous d'abord dans pays Équateur en Amérique du Sud côté gang qui lié à trafic drogue absimé l'intérêt et président en parlant de Noboa Daniel Noboa lui-même il prend décret pour mobilisation avec intervention forces armées avec police nationale là sur tout territoire national là en Alois à vibrer. Gardien prison avec la police tourné otage, l'école avec magasin fermé, Équateur tête en bas. Président PIA, Daniel Noboa, dit PIA plongé dans un conflit interne armé
à gang qui n'a commis drogue qui déjà la cause 10 moun mouri. Roberto Isurriata, secrétaire général bureau communication la présidence, li yon décret exécutif là qui paraît hier mardi dans occasion 3e journée crise sécuritaire. El presidente Daniel Noboa Asin. Président Daniel Noboa Asin signe décret 111 là côté où joindre article 3 qui prévoit mobilisation et intervention forces armées et police nationale sur tout territoire pays pour garantir souveraineté et intégrité pays contre crime organisé. Organisation terroriste et belligérant non étatique d'après ça qui dit dans décret exécutif là. Dans la même occasion, il y a un chef de police là, César Zapata, qui bail détails sur l'intervention de la police te fait les bandits entrés dans la station télévision. Aujourd'hui, en après-midi, nous te recevons une alerte qui fait nous connaître. Individu te entré dans le canal 10 pour terroriser et tenter de mettre l'intérêt dans la station télévision. La police a agi avec un pile adresse dans le sens respect de l'homme parce que tu as gagné un paquet d'employés de chaîne télévision en dedans. Comme on a ça pas précisé, il a déjà arrêté 13 personnes et il a remettre par autorité compétente en bas accusation d'acte terroriste. Président Noboa, 36 ans, puis jeune président dans toute histoire pays Équateur, tu es élu dans le mois de novembre passé et il te promet pour établir sécurité en Équateur, il était décrété lundi passé à un état d'urgence pour 60 jours dans tout le pays, un jour après une évasion de deux gros chefs gang Malouk, Adolfo Macias alias Fito, 44 ans, chef gang Choneros, qui gagne la donne 8000 membres d'après experts. Oui, chef gang ça a sauvé qui était prison Guayaquil. Namadi Fabricio Colon Pico, un chef Los Lobos, un autre gros gang sauvé dans prison tout. Devant tout déblosage ça yo, PU déclaré état d'urgence sous frontière partagée avec pays Équateur, une frontière qui mesurait 1400 km. Alberto Otarola, c'est premier ministre Pérou. Se va déclarer en emergencia état d'urgence dans toute frontière nord pays. N'a pas rappelé en novembre te gagné un état d'urgence qui était décrété, il est toujours en vigueur et nous va déclarer état d'urgence dans l'autre côté encore. Effectivement Monte Carlo y a un paquet de soldats péruviens qui sous toute frontière de pays partagés. Équateur qui gagne 18 millions d'habitants et représente un pays très paisible, mais journée aujourd'hui a li ravagé avec violence. Après le tourné principal point pour exporter cocaïne qui fait dans le pays Pérou et dans la Colombie, deux pays voisins. Assassinat dans la rue augmenté de 800% en 2018 à 2023. Et en 2023, il y a 7800 personnes qui sont mortes et la police a saisi 220 tonnes de cocaïne. Jeudi mercredi, les États-Unis disent qu'ils ont en pile préoccupation devant violence et ils paraient pour fournir assistance par autorité d'après une déclaration Brian Nichols fait qui est chef diplomatie américaine pour région Amérique latine. Nous parlons dans la région Moyen-Orient, et bien côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé dans Bahreïn après visite en Israël et dans Palestine et affrontement a continué entre l'armée israélienne avec groupe Hamas là et gentil Augustin Junior gagne en mise à jour. Israël gen pou paraître devant tribunal demain jeudi pour génocide dans Gaza après plainte Afrique du Sud là. Pendant ce temps, l'armée Israël a publié une vidéo jeudi mercredi qui montrait activité militaire liyo dans camp Younis Gaza. Yon l'autre côté, secrétaire d'État américain Anthony Blinken continue à rencontre diplomatique dans Moyen-Orient. Demain, État Israël pral dans tribunal justice pour répondre à l'accusation Afrique du Sud là. Malgré crime génocide qui a pesé sous dos Israël, l'armée liya pas suspend avancer dans Gaza. L'armée a sorti vidéo tout côté l'a attaqué Hezbollah. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande leader israélien yo pour éviter faire civil yo mal pendant y a fait la guerre contre Hamas dans strip Gaza. Bilan chaque jour civil yo dans Gaza et spécialement timoun yo 3 ou. Dans 4 voyages li dans Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'est arrivé dans Ramallah jeudi mercredi 10 là pour rencontrer avec président palestinien Mahmoud Abbas. Pendant rencontre yon groupe palestinien t'a manifesté contre présence Blinken dans Ramallah.
Nous comptons visiter n'importe officiel américain dans le territoire palestinien. Parce que l'Amérique là, c'est une partie dans la guerre avec le génocide contre les Palestiniens, contre les bébés Gaza, contre les civils. L'Amérique là, supporte l'occupation criminelle sioniste dans le génocide. Qui donc? Yo pas bienvenu ici là. Blinken t'a discuté avec Abbas sous responsabilité autorité palestinienne pour réformer et améliorer gouvernance li. Li te dit dans une conférence pour la presse mardi soir qui reflétait opinion Washington que Abbas 88 l'année doit réformer organisation en préparation pour gouverner Gaza après la guerre. Pendant bataille diplomatique yo a mené pour joindre une solution dans la guerre pour le pas gagner dans région, zèle militaire Hamas la te publié vidéo mardi 9 janvier qui montre bataille dans ville Gaza. Waters était capable localiser vidéo a sorti dans façade extérieur bâtiment dans zone nan, route là ak estricti sous un point. Yon l'autre côté, la guerre qui a grandi entre Israël et Hezbollah a pris zèle. Dans une conférence presse, porte-parole là mais Israël l'a dit, yo touye yon commandant Hezbollah. Nan nord jodi a, nous touye commandant Sid Liban nan unité aérien Hezbollah, Ali Hussein Badji, que yo konnen tout comme Abu Madi. Li te touye nan yon attaque aérien. Ali te fait plusieurs douzaines attaques drone contre peuple Israël là. Selon autorité israélien yo, attaque aérien à terre l'armée Israël là t'est provoqué à cause sa caille sous frontière groupe armé Hamas là dans site peuple Israël là dans date 7 octobre là pour kounya 23 210 palestiniens mouri d'après ministère santé Gaza. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Donc, situation a toujours été compliquée dans la région Moyen-Orient, Proche-Orient, et secrétaire d'État américain Anthony Blinken a continué virer one li nan Bahreïn. Et puis, ici aux États-Unis, petit garçon, président. Et président Joe Biden, Hunter Biden, fait tout le monde saisir, il paraît sans attendre devant une commission chambre députée qui a cherché à accuser pour outrage. Sandra Lemaire, des détails. Hunter Biden désolé en pile palais en pile parmi politiciens yo dans Washington après l'été paraître sans attendre en premier rangé une audition à la Chambre députée organisée pour discuter sous possibilité pour yo ta accusé officiellement de outrage dans le Congrès. Commission surveillance et judiciaire la Chambre nan pour le voter mercredi sous résolution qui t'a accusé petit garçon président Joe Biden nan, après les pattes occupées de Magnotte Fell pour le comparaître devant yo. Dans la déclaration, il était bail journaliste devant salle audition, après le quitté salle, là, avocat Hunter Biden, Abby Lowell, accusé républicain commission, d'est-ce qu'il a joué un jouet politique. Last fall, Chairman Comer made an explicit offer that people like Hunter. Les députés Comer ont offert Mounta pour Hunter option pour qu'il soit assisté à audition privée ou bien témoigner dans une audition publique. Hunter a choisi fait publiquement pour empêcher les républicains de manipuler ou bien utiliser sa lédit dans l'audition. Ils ont choisi vague sur réponse li et puis prouver que ils n'ont pas intéressé dans la vérité. Seul ça qui intéressé yo et m'a cité c'est changer support politique là. Qui c'est ça, député Comer a confessé ses vrais objectifs. Député républicain qui présidait l'audition aujourd'hui a avancé aux résolutions qui n'ont pas de précédent pour accuser au monde de outrage malgré les offres pour que publiquement toute question. Question moi gain pour yo c'est qui ça yo craint. To hold someone in contempt who has offered to publicly answer all their proper questions. The question there is what are they afraid of? Ça qui vexait les républicains au plus mercredi, c'est que malgré Hunter Biden était présent, il n'a pas témoigné. Il était fait en déclaration plutôt par la presse devant salle audition. Si la commission a approuvé la résolution, Jean en Pilmoun attendant, tout député de la Chambre n'est pas obligé de voter sous lui. Si tout membre de la Chambre approuvé la résolution qui accusait Hunter Biden de outrage, le département de justice des États-Unis va obligé de décider s'il prend le mener un procès contre monsieur pour ça. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Nous allons aller à New York, côté plusieurs familles immigrants. Tu es forcé de quitter un hôtel, côté où tu prends abri, dans le cadre d'un plan que magistrat Villa et Adams gagnent pour diminuer la quantité d'immigrants qui mettent pression sur le système logement New York. Là, nous allons sur place, Valérie Saint-Louis.
peu près 40 familles immigrantes et forcées quitter un hôtel dans le quartier Midtown Manhattan. Hier mardi, dans quatre plans que magistrat Ville New York l'a gagné pour le capable diminuer pression sous système logement ville là. Magistrat Eric Adams t'a imposé une limite 60 jours pour immigrants y rester dans abri yo. 40 familles immigrants sa yo qui t'a quitté hôtel sa qui relé Raw NYC qui situé dans quel district théâtral ville là, c'est première quantité famille parmi plusieurs autres qui t'a dû quitter abri provisoire ville là dans jour ak semaine k'ap vini là yo. Gen quelques nan moun qui t'a quitté hier mardi qui immédiatement réappliqué puis t'a joindre nouveau chambre ak cabane dans un autre hôtel puis capable rete. Gen l'autre immigré eux même qui dit que yo permettre yo joindre l'autre qualité arrangement permanent en dehors système logement ville là. Magistrat Eric Adams, qui est un démocrate, t'a imposé limite temps pour rester dans abri sa yo dans le mois octobre passé pour famille immigrants qui sont caillou. Il t'a dit que mouvement ça était nécessaire pour soulager un système abri logement qui épuisé par moun k'ap chèche asile, k'ap traversé frontière sud États-Unis pour venir dans ville New York là. Maria Quero, qui a 26 ans, qui sorti Venezuela et qui est enceinte plus passé 8 mois, t'es parmi moun qui t'es obligé quitter abri. Il était campé dehors hôtel là ensemble avec Marie li ak paquet li ak l'autre effet personnel li paré pour l'aller. Ça va être que pouvoir passer con nosotros, es Bagala c'est pas connait ça qui peut arriver nous, c'est ça qui pi compliqué. David Dominguez qui lui même tout sorti dans pays Venezuela ensemble avec madame li enceinte t'es dit. Yo pas bay en pile information sur ça qui qu'arrive nous. Yo juste dit nous déplacer, aller faire route nous. On espère que nous avons côté qui est approprié parce que c'est pour lui l'autre inconvénient. Nous connaissons des mounes qui étaient en battante pendant que vous enceinte et puis vous femme pas arrêté en bas de tante. Priorité, moi, c'est lui-même. Moi, pense que c'est bagay qui est inquiétant. Conditions pas très appropriées, ni pour petit moun, ni pour femme. Pas même vous femme enceinte. Moi, déjà dans l'état final grossesse, moi, c'est difficile pour moi dans condition ça. Bon côté parle Maria Martinez, une maman 40 ans lui-même qui était immigré avec famille sorti dans pays Colombie, lui-même tout était obligé Marie paquet li mette dans machine pour aller quitter hôtel là. Il était dit que trois petites yo gen sentiment mélangé sous le fait que yo obligé déménager sorti quitter hôtel ça qui relé Ranger. Famille ont été vivre dans hôtel là pour plus passer une année et puis ont été économisé assez pour louer un appartement trois chambres dans ville Newark dans état New Jersey. Moi très reconnaissant envers ville là pour toute aide que ba nous. Mais moi vraiment reconnaissant, vraiment moi reconnaissant. Administration magistrat Adam santé averti pendant semaine là que personne moun k'ap cherché un nouveau placement abri pas garanti que y a joine une l'autre côté à cabane pour capable dormir rete. Mais magistrat Adams avec l'autre officiel vidéo t'a dit que t'a bay famille priorité et puis placer tout près l'école petitio une façon pour minimiser effet que ça t'a ka gagné sous éducation ti moun yo. Défenseurs immigrants ont organisé un rassemblement dans le jour qui s'est passé là pour dire que nouveau politique ça capable forcer familles immigrants à attendre camper dans ligne bien longue dans mitan gros frais dû puis ouais si capable joindre un nouveau placement abri limite temps 30 jours capable tout déranger l'école timoun immigrant yo qui t'a ka obligé changer d'école si famille ou déplacé yon l'autre côté d'après ça que avocat défenseur immigrant te dit officiel vi New York te fait connait que jusqu'à présent environ 4800 avis pour dégapissement te voye bay famille immigrant yo qui yo même t'arrêté dans abri provisoire villa pour VOA Creole Valerio Saint-Louis New York. N'a quitté New York, non pral nan Las Vegas, Nevada, côté conférence nouveau technologie a déroulé semaine ça et nous gen envoyé spécial nou Fred Kaimit qui lui même pral parler nous d'un télescope intelligent. Salon technologie CES 2024 là officiellement ouvert pour grand public là. Nous t'ai une chance rencontrer avec plusieurs start-up tant que ça qui gen rapport à construction, transportation, santé et latrier. Pendant pas que nous dans salon nous t'ai gain chance rencontrer un salon français Voanis qui focus dans astronomie. Yo t'ai dévoilé bay grand public là un télescope portable que relé Estia. Estia c'est un télescope portable qui servit à système caméra dans un téléphone intelligent pour lui faire photos étoiles dans ciel là tant que soleil à la ligne. Agnès Dali qui c'est une responsable dans Voanis et ba nous plus explication sur produit ci là. Ce produit est révolutionnaire dans le monde du smart télescope. Il va utiliser le smartphone en guise de caméra pour pouvoir utiliser l'instrument. Donc l'idée est très simple, c'est que l'instrument va utiliser cette caméra principale du smartphone. On pose l'instrument directement sur Estia qui peut
être compatible avec plein de télescopes puisqu'il y a des aimants en fait directement posés dessus. Et sur le petit oculaire, on place la caméra comme ça. Appareil là, il y a un anti-téléobjectif et application que l'utilisateur a installé sur téléphone mobile libre elle permet appareil là utiliser caméra qui dans téléphone là pour prendre photos étoiles qui dans ciel là. L'utilisateur va alors être guidé par l'application que nous avons développée à l'intérieur. Il suffit simplement de sélectionner l'objet qu'on veut observer dans le ciel et à l'aide de la manette du trépied, on va pouvoir aller chercher l'objet dans le ciel et donc aucune connaissance préalable en astronomie est indispensable. Donc c'est vraiment un produit qui est hyper simple. L'idée c'est vraiment d'amener l'astronomie à la portée de tous, du public. On a du contenu éducatif qui est là pour aussi aider les gens à avoir de plus en plus d'informations sur les objets du ciel. Donc c'est comme ça qu'on est venu au CES pour apporter le plus d'informations possible. Agnès dit nous, on ne peut pas besoin de vous savoir dans l'astronomie pour gagner appareil ici là. Merci Fred Kaimit depuis Las Vegas, Nevada. Donc, restez branché sous VOA Creole pour capable gain l'autre et information encore sous gros salon technologique ça cap déroulé dans Las Vegas, dans Nevada ou sous VOA Creole. On va suivre un programme dans langue créole haïtien. Actualité concernant le pays d'Haïti, dossier corruption dans CNEA, eh bien, ancien premier ministre Gary Conille déclaré qu'il n'y pas recevoir formellement convocation juge d'instruction. Yves Manuel. C'est à travers les réseaux sociaux que Dr Gary Conille dit l'apprendre qu'il y a un mandat de comparution qui décerné contre lui. Ancien chef primatien dénoncé absence signification ordonnance et inculpation lui. Alors que selon Salzi, li pas concerné par rapport ULCCA dans ça qui gagne pour ak matériel CNEO dans ça avocat informé li tanmen yon action en justice dans l'idée pour clarifier situation et garantir respect droit client là. Entre-temps cabinet Hercule déclaré Gary Conille pas gagne rien pour ak matériel CNE à aucun moment pendant passager dans primati li pas bay instruction à centre national équipement. Selon ça, avocat a fait qu'on est dans une note. Toutefois, le cabinet d'avocat a réaffirmé volonté pour répondre toute convocation à la justice. Mais démarche-là doit faire, selon ça, laisser comprendre le respect de la loi. N'a pas rappelé, Dr Gary Conille était occupé fonction premier ministre dans la date 17 octobre 2011 pour arriver 28 février 2012. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Bordeaux-Prince, pour VOA Créole. Débat politique, débat contradictoire sous deux points d'actualité entre processus électoral et un remplaçant pour Premier ministre Ariel Henry. Plus de détails avec Renan Toussaint. Maître André Michel, qui est une figure emblématique à COP 21 décembre 2021, dit moment arrivé pour Premier ministre Ariel Henry élargi au Conseil de transition, ça y aurait les HCTA, mettait campé Conseil électoral provisoire. Monter un gouvernement union nationale, démarrer processus révision constitution et processus électoral là pour peuple haïtien qui a choisi citoyen qui pour diriger. Faut le prendre disposition pour l'avancer avec monde qui voulait pendant la quitter pour dialogue là l'ouvrir. Je dis il faut presser gagner un élargissement qui fait dans HCTA, c'est responsabilité pour le ministre là pour le faire. C'est responsabilité pour le monter KIPA. C'est responsabilité pour nous avancer sous chemin élection. Cependant, M. André Michel reconnaît problème insécurité a constitué un obstacle majeur pour l'organisation prochaine élection. Le plus gros obstacle nous connaît qui gagne sous chemin élection, c'est causer sécurité. Heureusement, une force internationale qui a privé et force là pour permettre que rapidement nous engager nous sous chemin élection. Bon côté parle ancien colonel Imler Rebu, un acteur haïtien plaide en faveur yon exécutif bicéphale pour résoudre crise politique là. Pour problème nan résoudre, bon c'est de disposition légale, c'est seule la présidence de la République qui doit faire. Donc un affaire bagaille monocéphale yo faut sortir la donne, faut rentrer suivant article 133 constitution qui dit
le pouvoir exécutif est exercé en Haïti, petit a, par le président de la République, qui représentait la présidence, et par le gouvernement qui est dirigé par un premier ministre. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est la loi, mon yo parle, lui, oui. C'est quand vous voyez monsieur Bandio qui a pris un poste au Rwanda. C'est moun qui pa gagne dans pays qui dit yo gen un bagaille qui est la loi et grand bagaille qui est l'état qui l'a pour protéger les citoyens sous ralons zam contre un citoyen ou a sorti mon pap rentrer la caillou. Dans septième réunion chef d'état et chef gouvernement communauté caraïbio dimanche 7 janvier 2023 sur Haïti, dirigeant région qui était discuté sur situation insécurité à crise politique là, lancé appel by acteurs haïtiens yo chercher joindre en urgence une solution à crise politique là en Haïti. Redan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. D'après te Port-au-Prince employé ak patient nan centre Jiskio, et ben yo manifesté nan la rue Port-au-Prince jodi mercredi pour mande libération Douglas Pape, petit docteur William Pape qui en bas main kidnappeur depuis environ 3 mois. Et nous parlons de détail avec Massado Vilme. Malgré l'argent qui baille pendant 3 fois pour y jouer une libération, M. Douglas, ravisseur pas décidé de libérer. Docteur William Pape, qui était président de la commission anti-COVID-19 là, sous administration Jovenel Moïse, là, dit qu'il regrette ça qui arrive à Petit Léon. C'est vrai que c'est un moral. Nous sommes déjà arrivés. Nous travaillons dans le sida, nous travaillons dans la tuberculose, nous travaillons dans toute épidémie, choléra, COVID. Et voilà, mon Dieu dit que je fais comme dans la choléra, je fais comme dans la COVID. Tout le monde connaît que c'est des dans l'aider. Je ne vais jamais recevoir 5 ans pour le travail que je fais dans le pays. Et comme remerciement qui s'est fait, je kidnappe les petites mères qui travaillent dans l'agriculture. Et nous tous connaissons le secteur sensible de l'agriculture, personne ne veut travailler là-dedans. Tous les amis sont partis. Il voulait arrêter parce qu'il devait travailler à paysan. Mais ça, il remettrait comme remerciement. Centre Jiskio, qui est la principale institution sanitaire qui est spécialisée dans la lutte contre la maladie sida, tuberculose et l'autocorps, menacé pour faire un porte-lit à cause de la kidnapping. Quelques bénéficiaires et patients expriment leurs préoccupations face à une éventuelle décision. C'est un gestion utilement pile. Moi, je vais à l'école, je vais à l'école pour petit. Pour nous, la suggestion fermée, moi-même, je vais aller de bras m'ouvrir. Et non, façon ça. Moi, la libération, mes amis, pendant 3 mois, nous allons aller. Maman, je papa, c'est gestion, maman, c'est le papa. Je ne dis pas, s'il ferme, côté la guerre. Côté la guerre, petit. Côté la guerre, nous allons de bras nous ouvrir. Parce que nous allons aller secours encore. C'est pour ça nous allons aller aujourd'hui. Je vais demander, mes amis, libération. Parce que pendant 3 mois, nous avons bien là. Nous plus mal parce qu'on commence à faire un petit passage. Monsieur, nous connaissons le traitement sida, comment le fait. Ou pas qu'à sauter un jour, alors qu'on a sauté un mois. Monsieur, tant pis, nous demandons, s'il vous plaît. Libérez-nous. Libérez-nous pour nous. Libérez-nous parce que nous avons tout traitement. Monsieur, si ça te ferme. Si le docteur va libérer, ça te ferme. C'est pas petit là, pas fini, mes bébés. Monsieur, s'il vous plaît, tant pis. Libérez-nous, grâce à nous, monsieur. Libérez-nous, petit là, qu'à continuer le traitement là. Monsieur, demandez-nous, nous prions nous en grâce. Libérez-vous, nous, non. Libérez-vous, traitez pas petit pour nous. 10 000 patients. Vous comprenez ça, ça veut dire 10 000 patients. Quand vous prenez un médicament actif, on est à ce plan fermé. Nous avons à peu près 4 000 patients tuberculose. Quand vous prenez un médicament actif, nous avons une nutrition qui est 2 500. Si moun ka pran manje, ka pran soin à San Jesco, vous avez dit que c'est ça, vous avez mis le docteur Pap. Ni pas bon. Nous demandons la communauté internationale pour nous jouer bouche dans ce qui a passé en Haïti. Là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Creole. Nous parlons qu'on y a un canal là, canal ouana là pour nous gagner dernier nouvelle. Et ben gagner un ingénieur qui parlait avec VOA Creole et qui pourrait dire nous qui genre situation est Jodelet Junior Saint-Ville.
C'est chaque jour qui passait, plus moun ap découvri bel travail qu'a fait dans plein Bamaribao. Yo environ 12 jeunes ingénieurs civils, femmes takou garçon qui sorti tout partout dans pays a pour mettre compétences dans service construction canal irrigation sur rivière Massacla dans Wanament. Ingénieur Senor Toussaint, c'est yon parmi groupe ingénieur qui a poté collé dans travail là. Dans commencement c'est maintenant VOA créole te fait un petit parler à cli. Li te di nou ki sa te motive l vin travay nan kanal la. Nous avons été en volonté de manifester de la part de tous les paysans en pleine Maribao et avec euphorie que nous avons pour le travail. Et puis nous avons senti que nous avons anticipé en pile de la part de la République dominicaine qui dit que le travail là c'est avec un paquet de monde sans former, pas de gagner en technicien qui est encadré en bossio. Donc nous-mêmes en tant que technicien en ingénieur civil, nous avons fait le déplacement du côté de Fort Liberté pour nous rendre nous sous en rivière Massacre pour noter bien coup de main. Et parmi les 12, moi je fais partie des 12 ingénieurs. Et c'est 12 techniciens formés qui arrivent à un travail là ou bien ouvrage là, beauté esthétique que nous avons. Ingénieur Toussaint fait qu'on est, travail là gagné 3 phases et tout important. Après, il fini acte de canal là, sans camper, il a pris le passé dans l'autre étape. Pour qu'on y là, travail gabionnage là fait un petit ralenti. Parce que joindre roche là venu un petit gens difficile. Donc en première phase là et c'est va en tête monte là qui côté une campéa qui gagne par rapport là et qui va recevoir van dans tout. Donc et qui gagne en milieu de soutènement yo et qui gagne en partie gabionnage en aval et en amont et ouvrage là. Donc quoi pour et en aval ouvrage là ou après nous commencer quantité mètre linéaire de gabionnage. Sauf nous avons traitement de wash, nous acheter wash, mais wash là pas facile. C'est ça que ou après le travail à gonti lenteur là en semaine ça là. Pas gain wash mais n'a avancé timidement mais c'est si que les nous rivés trop plein pour aller en l'autre deuxième phase de travail qui pourrait recommencer encore après ça pour troisième phase là c'est avoir système d'irrigation en dedans plein Maribao. Pour ingénieur Senor Toussaint, canal là c'est un site historique en ampleur que canal là vient gagner hein? Donc libéral il servit comme un site historique. Jodelet Junior Saint-Ville depuis Wanamet vous voyez au créole. Nous pratiquement arrivé dans fin programme là, on a dit ici aux États-Unis, il y a une polémique qui continue à faire sous état santé secrétaire défense américain Lloyd Austin, est-ce que il pas révélé que l'a souffri avec maladie cancer dans prostate et que il pas même mettait responsable à Maison Blanche au courant en parlant de et président Joe Biden et jusqu'on y a monsieur Austin couché sous cabane de l'hôpital, mais dernière nouvelle nous fait qu'on est que ben situation très stable et président renouvelé confiance li donc pour un pile monde qui t'a demandé pour ta remplacer le ben, président pour qu'on signe que l'a fait yon bagay comme ça. Mes amis, merci pour attention, nous merci pour fidélité, nous c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous avec nous saluer Fred Kaimit qui lui-même Las Vegas dans Nevada l'a couvrir gros salon technologique ça pour nous. Merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. Merci gentil Augustin Junior qui a fait travail tête chargée. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et rendez-vous demain sur VOA Créole.